J'ai fait un rêve cette nuit. On était tous là. Joyeux anniversaire! Non, enlève le bourré et plutôt un peu cynique. C'est quoi que tu lui dis? Du poisson. Du poisson? Ah, mais c'est bien ça, du poisson. Pardon. Ouais. C'est pas grave. Essaye au moins. J'ai oublié. C'est pas grave, reprenez. Vous ne savez pas lire? Si, justement, et vous? Stop pub, c'est marqué là, sur la boîte. Ah, mais ce n'est pas de la pub, je suis votre nouvelle actrice. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la pub? Nous avons décidé de distribuer des lettres libres de droit. Libres de droit? Oui, comme les lettres de Persane, les lettres de Montmoulin, les lettres de Madame de Sévigné. Pourquoi faire? Mais pour réenchanter le monde, réenchanter la poste. Vouloir sauver les forêts, c'est bien, mais il faut aussi savoir préserver notre vrai patrimoine culturel, les livres. Oui! Vous savez combien il y a de lettres dans notre alphabet? À peu près 26, non? Vous vous rendez compte? Avec 26 lettres seulement, l'homme peut tout exprimer. Oui, c'est vraiment fabuleux. Écoutez, et vous savez quelle est la langue qui comporte le moins de lettres au monde? Ma foi, non. Le rotocas, une langue parlée dans les îles Salomon. Son alphabet ne comporte que 12 caractères. Waouh! Et 7 notes pour composer toute la musique du monde. Avez-vous du courrier pour moi? Quand la poste aura disparu, les épitaphes de nos ancêtres nous suivront un instant, comme une lettre, comme un avis de passage. Mais souvenez-vous d'une chose, seules les vraies sphères de la musique nous suivront un instant. Donc, pas de courrier. Tenez, voici la lettre à Élise. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Bien sûr, Antigone, j'ai moi aussi de la peine pour mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi, il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. C'est ce qui lui passe par la tête à la petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre? Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite, il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, la belle eau froide et fuyante. Parce que cela mouille les dalles, à la terre, parce que cela tache les robes, il fallait comprendre qu'on ne peut pas tout manger à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants que l'on croise dans la rue, courir, courir dans le vent jusqu'à tomber par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre, moi je ne veux pas comprendre. Je te déteste, toi, ma mère qui me baïonne jour et nuit de peur que quelqu'un aperçoive mes yeux qui brillent parce que j'aime un bico. C'est comme ça que tu dis, un bico? Mais tu es qui? Dinde bourgeoise, avec tes chaussures bien cirées et ton imparfait du subjonctif qui hurle au monde entier que la fourchette est à droite et que le couteau est à gauche. Je te déteste, toi et tous tes copains qui nous civilisent depuis 3000 ans! Mais aujourd'hui, tout ça est terminé. Parce que Karim est là, lui et son scooter qui vole au-dessus de vous tous. De vous tous! J'ai fait un rêve, moi. On était tous là, comme ça, autour de la table. Et j'avais un poisson dans ma main et je tapais sur la tête de maman. Du poisson? Oui, c'est très bon ça, du poisson. Tu vas gagner de l'argent. Ah bon? Et je fuis et je serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure, celui. Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 années, il a joué ce rôle du vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous? Non, Roxane, non. Je vois là toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Je vous jure que non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Les mocheurs et fous, c'était vous. Non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. La voix dans la nuit, c'était vous. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Vous m'aimiez. Je ne vous aimais pas. Déjà, vous le dites plus bas. Non. Ah, que des choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes-tu pendant 14 années? Puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien, ses larmes étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? C'est vrai, je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, une heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort. Assassiné. Pardonnez-moi. Je te prie de me pardonner pour hier soir et pour tout.
J'avais tort, c'est toi qui avais raison. Je t'avais pardonné. À peine avais-tu claqué la porte, ton parfum était encore là et je t'avais pardonné. À qui l'avais-tu volé ce parfum? À Ismène. Et le parfum, la poudre, la belle robe? Aussi. En quel honneur t'étais-tu fait si belle? Je te le dirai. Oui, peut-être pas. Et d'autres disputes? C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur? Oui. Écoute-moi. Tu sais, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui, Antigone. Je l'aurais bien défendu contre tout. Oui. Et je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur. Ni de l'angoisse du soleil immobile, ni des ombres, ni du soleil qui vient. Il aurait une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les autres mères du monde, avec leur grand sourire et leur beau tablier. Tu le crois, toi, n'est-ce pas? Que tu aurais une vraie femme? J'ai une vraie femme. Oh, tu m'aimais ce soir-là, Emma. Quel soir? Tu en es bien sûre que ce soir-là, à ce bal où tu es venue me chercher lorsque j'étais toute seule dans son coin, tu n'as jamais regretté, jamais pensé, même une seconde, que tu aurais dû demander à Ismène? Idiote! Oh, je t'en prie. Et je suis pâle et maigre. Ismène est ronde et rose comme un fruit. Antigone. Ah, chérie. Tu sais quoi? Je viens de croiser notre nouvelle voisine de palier. Et je l'ai invitée à prendre l'apéritif ce soir. Tu l'as invitée? Bah oui, pourquoi? J'ai croisé son mari ce matin, moi aussi. Et tu sais quoi? Quoi? Il est inspecteur des impôts. Ils ne viennent pas pour inspecter la maison. C'est une deuxième nature chez ces gens-là. Tu crois? J'en suis sûre. Mais eux, quand ils cherchent, ils trouvent. Oui. Ils ont les moyens de nous coller un contrôle fiscal. Oh mon Dieu, mais c'est affreux! Tu as raison, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être décommander? Non, surtout pas, ce sera encore pire. Ils vont penser qu'on ne les aime pas. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il faudra en dire le moins possible. Oui, tu as raison. Mais ça va être compliqué. C'est sûr, quand on invite des gens à prendre la vérité pour faire connaissance. Ouais. Ah, au fait, j'ai aussi croisé la voisine du 5e. Et tu sais quoi? Quoi? Ne me dis pas que tu l'as invitée à prendre l'apéro elle aussi, hein, parce que... Non, mais j'ai cru voir des restes humains dans sa poubelle. Tu crois pas qu'on a plus important à gérer comme situation? Tu as raison. Mais pourquoi est-ce qu'on mettrait pas quelque chose dans l'apéro? Du genre des somnifères ou quelque chose comme ça? Je crois. Et souffrir. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée à un point où on ne peut plus la supporter. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue et monte encore comme une petite voix aiguë. Oh, je ne peux pas! Je ne peux pas! Bonjour, je m'appelle Kina Luck et j'ai 4 ans et demi. Je suis spécialiste des jeux vidéo manga. Bonjour, moi c'est Petite Fleur du fond des Shang. Moi je suis ingénieure dans cosmétique bio. Voilà, j'ai 26 ans. Bonjour, je m'appelle Clotilde, j'ai 39 ans et je suis enseignante à l'université. Salut, moi c'est Géraldine. J'ai 96 ans et je suis fan de rock. Ouais. Oui, bonjour, moi c'est Estelle. Qu'est-ce que vous voulez? À votre service. Ok, pas de problème. Bye bye. Salut, moi c'est Jean-Marc. 40 ans et ça fait 30 ans que je suis au chômage. Hi, I'm Karaka Gul. I'm a CEO and I'm 42. Salut, moi c'est Michel, je suis domestique depuis 30 ans, j'en ai vu des choses, hein. Bonjour, c'est Liberty, excusez-moi, c'est pour l'interview de 13h ou pas? Parce que j'ai pas trop donné mes droits, moi. Voilà. Hi, I'm John, ça fait 25 ans que je suis dans mon ranch. J'adore les vaches. Et voilà, moi c'est Charlotte et vous venez de voir presque la totalité du groupe des élèves de... Théâtre ado. Ouais, ouais. Bonjour Charlotte, ça fait depuis combien de temps que vous avez tous ces enfants avec vous? Eh ben, moi j'enseigne ici, donc on est au centre social du roi d'Espagne depuis plus de 10 ans. Et voilà, j'ai des groupes adultes, enfants, ados, et là, vous avez vu un petit extrait du groupe ado. Il n'y a que des filles cette année, et elles sont 13.
Et donc, voilà, il y en a pour la plupart, elles en font déjà depuis 3, 4, 5 ans. Voilà, ça fait, sont déjà bien au point. Voilà, et puis là, le groupe, il va de Camille, la plus petite, qui est en CM2, mais qui en fait déjà depuis très longtemps, donc qui est venue dans le groupe ado, jusqu'à la terminale. Voilà, donc c'est très sympa parce qu'il y a plein de, voilà, d'âges différents et tout le monde se complète et on peut monter un beau projet. Le projet, c'est Shakespeare, c'est ça? Donc voilà, donc on va partir, on a mis la barre bien haut cette année, donc voilà, on va partir sur le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et pourquoi cette pièce en particulier? Alors cette pièce, elle a la langue de Shakespeare qui est déjà magnifique et plein de fantaisie où on a vu là un peu les différents personnages, elles ont beaucoup de caractère et donc je pense qu'on peut faire quelque chose de super. Ça mélange en même temps la force des sentiments, les amoureux, l'amour qui ont choisi et donc des sentiments passionnés et en même temps la féerie. Voilà, on est encore aussi dans l'enfance, c'est un passage quoi, entre l'enfance et l'âge adulte, donc c'est chouette. Toute la féerie qui se passe aussi entre Oberon et Titania, et donc je crois que voilà, on peut faire plein de choses dans cette pièce. Donc. Mais dans la troupe, il n'y a pas que des filles? Si, ben justement, on va pas chercher des pièces qu'avec des filles, surtout qu'elles aiment bien aussi faire des rôles d'hommes. Donc c'est ça qui est chouette, quoi. C'est finalement, on s'empare d'un texte, et puis qu'on soit fille, garçon, peu importe, quand on joue, on est un personnage, on défend le texte, voilà, il n'y a pas de barrière pour ça. Et puis quand on interprète bien le rôle, ben finalement les spectateurs, ils voient le rôle et ils voient le garçon, quoi. Voilà. Et il faut combien de temps pour finaliser la pièce? On n'est jamais prêt, ça pourrait être 3 semaines, ça pourrait être 1 an, ça pourrait être 2 ans. Donc en fait, on fait avec le temps qu'on a. Et puis voilà, c'est un projet. On a une date. Et puis on fait au mieux et on présentera. Voilà, on fera pour que ça soit prêt. Voilà, même si c'est jamais prêt. Et que voilà, on peut toujours peaufiner après. Et Anaëlle, qu'est-ce qu'elle va faire, elle, dans cette pièce? Ben, il y a combien de temps qu'elle suit de la comédie? Hein? 4 ans? Oui, c'est ça. 4 ans. Et du coup, là, dans Shakespeare, j'ai joué Thésée. Donc, c'est le duc d'Athènes. Donc, elle joue Thésée, donc un rôle très. Quand même, le duc d'Athènes. Ouais. Et tu joues aussi. Les fées de Titania. Voilà, une des fées. Voilà. Qui peut-être en parleront ou chanteront en anglais. Wow. On verra. En tout cas, elles sont toutes douées. Oui, oui, oui. J'ai un on super peut le remarquer. Les gens qui auront vu cette vidéo vont se rendre compte qu'elles ont du talent parce que là, il n'y a pas eu de répétition, il n'y a rien eu. Non, voilà. Donc, voilà. Fait, Donc la pièce, vous avez déjà une date? Alors, ça va être compliqué avec les emplois du temps de tout le monde, mais normalement, fin juin, voilà. Voilà. On vous reprécisera ça bientôt. Et donc le public sera convié à venir? Bien sûr. Oui, donc ce sera où? Ça sera ici, sur notre scène. Alors, la scène du Roi d'Espagne. Donc on est au Roi d'Espagne, au Centre Social du Roi d'Espagne, à Marseille, dans le 8e. Et voilà. Plein de beaux projets avec les ados et avec les adultes aussi, cette année, à la fin de l'année. Vous pouvez nous suivre sur Roi d'Est Théâtre, le Facebook Roi d'Est Théâtre. Voilà, vous pouvez voir tout ce qu'on fait. Et est-ce qu'il y a des gens en cours de saison qui peuvent s'inscrire pour suivre des cours de comédie? En cours de saison, c'est pas possible parce que c'est tout complet. Voilà. D'accord. Donc c'est pour déjà, réserver. Généralement, dès septembre, c'est complet. Donc voilà, il faut plutôt venir me voir fin juin pour, si on est intéressé pour avoir une. Vous avez plusieurs sessions, adultes, ados? Voilà, j'ai un cours d'ado, 2 cours d'enfants et 2 cours d'adultes. Voilà. Et bien en tout cas, merci Charlotte de nous avoir accueillis ici. Et puis, bon vent à Shakespeare. Voilà. On va songer à ce songe d'une nuit d'été. Voilà. Merci. Merci.